Et non, c'est un combat important pour Eli qui malgré qu'il boxe ou pas, c'est un boxeur très régulier qui s'entraîne régulièrement. Combat en 8 reprises dans la catégorie des super coqs. C'est un excellent boxeur. 10 victoires, aucune défaite pour Eli Conky, hein. 20 victoires, dont 10 par KO. Pour ouais, Yegorov, super, donc attention, c'est un boxeur ukrainien qui a du punch, même s'il n'a plus gagné depuis 3 ans hein, chez les pros. C'est propre ce que vient de faire Eli avec ce travail direct du bras avant. Il place le bras arrière. Oui, encore beau direct du bras avant. Oui, super. Bras avant, bras arrière. Attention de ne pas se jeter sur le bras arrière. Superbe encore ce double bras avant. On voit toute la qualité du bras avant d'Eli Conky hein, dès les premières secondes. Si tu percutes à l'intérieur. Ah, une catégorie très intéressante. Hein, catégorie. Eli Conky avec d'excellents boxeurs en France. On a vu malheureusement Karim Gherfi qui a perdu son titre récemment contre Lee McGregor en Angleterre. Ouais. Par KO, en titre de champion d'Europe absolument à la première reprise malheureusement. L'accélération Yegorov, la bonne défense, l'intelligence d'Eli Conky. Ouais, Eli qui est plutôt intelligent, les mains bien hautes, qui travaille parfaitement bien avec ce direct du bras avant. Et encore, superbe. Ouais, c'est bloqué, la garde hermétique chez le boxeur tricolore qui peut accélérer, qui avait participé évidemment aux Jeux Olympiques 2016. Oui, hein, qui a fait partie de la team solide en 2016. Quart de finale, si je me souviens bien. Qui fait huitième malheureusement. Huitième. Fait huitième, il perd contre le finaliste. Ouais. Il perd contre le finaliste. Formidable boxeur hein, qui a été champion de France à 4 reprises des voix coq. Très technique, très gros travailleur. Il vient de toucher en bas. Magnifique avec ce travail au corps. Oui, oh, super, il a été touché. Il a touché très très bel enchaînement là d'Eli Conky. Encore magnifique. Bah, j'ai l'impression qu'il est dedans. De coups très nets là. Très bien ce que vient de faire Eli. La part il va falloir qu'il accélère. Oh, magnifique, superbe. Encore ce crochet bras avant. Ouais, il a touché encore en bas. Mais il est touché coup en bas. Il n'a pas l'air très très bien, Yegorov. Compliqué. Il n'a pas l'air très très bien. La nouvelle Yegorov. Accélération de Eli Conky là. Il reste 20 secondes ça va dans être cette compliqué. Première reprise. Ça va être très très difficile. Il vient se c'est coller. Bien ce que vient de faire Eli. Yegorov, il vient se coller parce qu'il il est en grande souffrance. C'est compliqué pour Yegorov qui est touché. Encore belle accélération d'Eli, il travaille au corps. Ça devient compliqué pour Yegorov. Ah, qui a subi une accélération là. Ça n'a pas été simple. Hein. D'Eli Conky, ouais. Magnifique première reprise du boxeur français. Super ce que vient de faire Eli. Qui était champion de l'Union Européenne aussi en 2019. Bien sûr, qui a été 4 fois champion de France, champion de l'Union Européenne, qui a pris un Intercontinental WBA au mois d'octobre, vous l'avez dit. Qui est classé 14e dans la catégorie de la fédération WBA. On espère qu'il aura l'occasion de pourquoi pas faire un championnat d'Europe très prochainement. Je vous l'ai dit, Eli Conky est un boxeur, un gros travailleur. Même lorsqu'il ne boxe pas, il s'entraîne régulièrement. Il a une bonne hygiène de vie. C'est un boxeur intelligent sur les coups avec un beaucoup d'œil sur le ring, pardon, avec un beaucoup d'œil. Belle technique. Début de la seconde. Allez, début de la deuxième reprise, Yegorov qui avait été bien touché quand même en première. Bien, C'est bien ce que fait Eli, hermétique derrière ses gants. Et encore ce petit direct du bras avant. Continuer ce travail avec ce bras avant, il construit pour ramener sa droite derrière. Encore petit crochet du bras, magnifique. C'est bien ce qu'est en train de faire Eli pour le moment. Oui, beau travail au corps, magnifique. Crochet bras avant à la face.
Ça va être dur hein, pour Yegorov. Il va falloir il a pas les... en faire un petit peu plus. Il n'a pas les armes pour le non, moment. Le boxeur ukrainien, c'est vrai qu'il n'arrive pas à surprendre Eli. Il est dépassé. Ouais, tout à fait. Techniquement, il a du mal à contenir le jab de Eli. Superbe encore sur Yoko. Il y a de l'explosivité chez Eli Conky. Qui avait un objectif, hein. C'était de mettre plus d'agressivité, il le fait. Là, il est très, oui, très offensif encore, avec super. La droite. Oui, sa droite qui vient d'arriver. C'est bien ce qu'est en train de faire Eli, ça devient difficile. Rythme encore difficile à suivre. Encore super ce bras arrière, l'uppercut du bras arrière de Eli. Le rythme est difficile à suivre pour Yegorov, hein. Ça c'est très clair. Ouais, ça devient dur pour Yegorov, hein. Il commence à avoir le visage marqué. Ouais. Un petit saignement ouais, au niveau saignement de, pas du loin nez. Du nez exactement pour Alexandre Yegorov qui reste sur 4 défaites de suite. Ouais, encore, hein, Yegorov, d'Eli, 4 défaites de suite. Il va falloir être vigilant, Yegorov, le clan à Yegorov, il va falloir être prudent. Oui, super ce travail au corps encore. Ouais, magnifique, l'uppercut du bras arrière. Superbe, il a été touché, il faut continuer, Eli. C'est très bien ce qu'est en train d'effectuer Eli pour le moment. C'est intelligent. Encore un petit crochet du bras avant. Ah, c'est bloqué, là, cette fois-ci par Yegorov. Eli Conky qui aura 29 ans dans 3 jours, hein. Le 6 avril, il est pro depuis octobre 2017. Il pourrait remporter sa 11e victoire en carrière ce soir. C'est bien parti. Hein, contre Yegorov. C'est propre ce qu'est en train d'effectuer Eli pour le moment. Ça ne se précipite pas, c'est intelligent. Il fait partie de ces jeunes espoirs de la boxe, hein, 29 ans. Et la fin de cette deuxième reprise, un combat... rondement mené, parfaitement mené par Eli. Et qui a envie d'avoir des ambitions, effectivement. Bien il sûr, le confie à Sport Mag, ambition européenne, ambition mondiale. Il est classé numéro 14 à la WBA. Après, alors quand on regarde les champions... dans cette catégorie, il y a Inoue, le japonais. Hein. Oui. Il y a Rigondo. Il y a Rigondo, il y a Ubali. Et il y a Casimero. Enfin, il y a quand même des sacrés clients. Mais ça peut offrir effectivement des opportunités, pourquoi pas. Absolument, et c'est un gros travailleur. Et vous savez, voilà, aujourd'hui, il faut croire en soi. Il faut avoir de grands objectifs pour réussir. Et il a raison d'avoir d'énormes objectifs. Devenir champion du monde en soi, c'est quand on fait de la boxe, c'est quelque chose de normal. Il aspire à être athlète de haut niveau. Et pour être athlète de haut niveau, c'est normal qu'on ait de grandes ambitions. Et donc, il se donne les moyens. C'est un très, très gros travailleur. C'est un garçon très dur au mal. Hein. Ouais, ce combat le confirme d'ailleurs hein, pour l'instant. Ouais, encore superbe ce que vient de faire Eli. Les mains bien hautes. Ce souci, cette volonté d'avoir les mains très très hautes chez Eli Conky, d'aller piquer là. Vous l'avez vu avec son, avec ouais, son bras avant. Ça construit, c'est intelligent. Ça ne met pas des coups pour rien. Ouais, super encore ce petit direct du bras avant. Encore ce direct du bras avant qui fait mal, hein, ouais. Qui arrive à chaque fois. Il a changé un petit peu là, il fait plus d'enchaînement de 3-4 coups, Eli. Mais il fait mal avec son bras avant, effectivement. Voilà, un enchaînement cette fois-ci de Conky. Attention, heureusement c'est bloqué tout ça encore une fois. Beau travail au corps. Et encore, travail sur les flancs, c'est bien ce que vient de faire Eli. Attention. Ah,
Ouais, ben l'accélération encore, attention, ça a été bloqué par Eli. Allez, il faut boxer, continuer à gêner avec ce direct du bras avant Eli. Elle accélère un petit peu moins dans cette reprise. Eli conquis, ça permet aussi à Yegorov de retrouver un absolument, second souffle. Absolument. Il en profite un petit peu, Yegorov. Un petit peu plus dans la gestion, Eli. Allez, continue à travailler avec ce bras avant et remonter à la face. Ce qu'il faire avec ce crochet bras avant. Magnifique, il termine au visage. À ah, il est dur, hein, Yegorov. Vraiment, il est dur au mal. Oui, superbe, lui percute du bras arrière. Magnifique. Ça fait deux fois qu'il le rentre. Ouais, frappe au corps, là, c'est intéressant. Et Yegorov qui n'a d'autre choix que de venir s'accrocher. Ouais, il est dépassé, il a été touché au corps encore, Yegorov. Ça devient très, très difficile pour lui. On le voit à chaque fois qu'Eli a des phases d'accélération. Il dépasse totalement Yegorov, ça devient très compliqué pour lui. On les salue. Enfin, un bon combat, très très bon combat de la part d'Eli Conquis. On l'avait pas vu depuis 6 mois. Eh bien, un bon combat de reprise. Il ne déçoit pas, oui, exactement. On le disait, hein, pour le maintenir en activité, en vue d'un éventuel titre européen, mondial, dans les mois à venir, on connaît les ambitions d'Eli. Et c'est rassurant. C'est rassurant de le voir réaliser une prestation de ce type. Un boxeur qui a quand même 20 victoires en carrière, donc ce n'est pas rien. Absolument. Qui est pro depuis 11 ans, Alexandre Yegorov. Et c'est important de souligner également que parmi les membres de la Team Solide, c'est Eli Conquis aujourd'hui celui qui a raflé le plus de titres. Donc c'est aussi important de le ouais, signaler. C'est vrai. Celui qui a été 4 fois champion de France, il a été champion de l'Union Européenne, il a pris une ceinture intercontinentale WBA. Donc c'est aussi important de le signaler. Ouais. La quatrième reprise dans ce combat, Yegorov se montre agressif d'entrée. C'est bien, c'est ce que fait Eli pour le moment. Il fait travailler Yegorov pour le contrer. Très très propre ce qu'est en train d'effectuer Eli. Les mains bien hautes. Ah, superbe. Oui, encore magnifique. Superbe, ah, travail au corps, bon monte à la face. C'est bien, ouais. Belle accélération d'Eli. Magnifique superbe ce que fait Eli Conquis là. Et reprendre de ouais, l'espace pour réellement faire mal. Yegorov qui n'a pas d'autre choix que d'accrocher. Il est totalement dépassé. Ouais, il faut être vigilant, ça reste quand même un boxeur très courageux, Yegorov. Et on s'observe, on continue à s'observer entre le français et le boxeur ukrainien. Et l'uppercut du bras arrière qui passe régulièrement. Ouais, c'est ce que lui dit Abadila Alab. Hein. Essaye de placer le maximum du percut. Encore l'uppercut voilà. Du bras arrière qui passe, vient d'arriver. Ouais, une nouvelle fois. Ouais, super ce travail au corps. Remonter à la face avec le crochet bras avant. Et encore l'hypercute. Oui, c'est bien ce travail au corps. Hein. C'est très bien ce qu'est en train d'effectuer Eli. Attention, Yegorov qui. Ah, il est vraiment dur au mal, Yegorov. Hein. Il faut être vigilant. Les coups, c'est pas de la nourriture. Ouais, alors son entraîneur qui lui super, demande de ne pas placer ça, de faire que des crochets et que des ouais, magnifique. Des uppercuts, il a touché en bas. Attention. Allez, l'accélération peut-être dans cette dernière minute. Ouais, magnifique, magnifique, belle accélération. Eli Conquis. Oui, encore le coin qui lui demande de travailler au corps. Effectivement, à la longue, de travail au corps, on l'a vu hein, face tout à l'heure, Chris face à son adversaire.
C'est un travail qui est payant encore, magnifique. C'est direct au corps. Oui, superbe. Encore, beau travail au corps. Ah, il est vraiment dur. Hein. Vraiment dur au mal, Yegorov. Et la fin de la quatrième reprise, on est à la moitié de ce combat. On vous rappelle évidemment que le main event dans quelques minutes, ce sera la Française Rima Ayadi contre Passa Malagic, la Bosnienne. Ce sera le dernier combat de la soirée à suivre évidemment en notre compagnie. Rappelons également, je vous le rappelle une dernière fois, vous pouvez jouer à un jeu ce soir. Oui. Vous répondez à la question suivante, à quel âge Rima Ayadi a commencé la boxe. Vous envoyez la réponse à communication@sportmag.fr. Vous pouvez gagner un an d'abonnement au magazine papier Sportmag d'une valeur de 75,90 €. Voilà, il y aura un tirage au sort qui sera effectué. On vous dira à la fin de cette retransmission qui est l'heureux vainqueur de ce concours. Cinquième reprise, Eli Konki tranquille là pour le moment. Face à Yegorov, au-dessus en tout cas. Ouais, pour le moment, il déroule bien. Il est conquis. Très propre ce qu'il est en train d'effectuer. Avec une belle alternance corps-face. Il est en train de faire très mal à son adversaire au corps. Également avec ses uppercuts du bras arrière. C'est bien ce qu'est en train de faire Eli pour le moment. Il absorbe tous les coups. C'est bloqué dans les gants. Ouais, c'est bien ce qu'est en train de faire Eli. Il attend l'ouverture, l'erreur de Yegorov. Ouais, qui se livre un petit peu plus, l'Ukrainien. Là. Forcément, Eli le laisse travailler, les mains bien hautes. Encore ce travail au corps. Magnifique, magnifique, ouais, ce bras superbe. Avant. C'est direct au corps. Encore une fois. Oui, du crochet. Et c'est bloqué. Très très bonne garde, une nouvelle fois d'Eli Konki. Voilà, qui enchaîne des bonnes séries là. Très très superbe. Bonne série du boxeur français. C'est propre, hein. Oui, encore ce travail au corps. Magnifique. Très propre ce qu'est en train d'effectuer Eli pour le moment. Ouais, encore une tentative d'hypercute du bras arrière. Ça, il sera passé à de multiples reprises. Hein. Cette ouais, vraiment, du droit. Quand on se travaille au corps. Mais c'est... il est dur. Hein. Il est vraiment très dur. Ouais. Yogurov, c'est... Il a été mis KO une seule fois dans sa carrière. Ouais. C'est un boxeur très dur, on le voit. Ouais, ouais. Grosse capacité à encaisser pour Alexandre Yegorov. C'est bien. Ouais, encore, ouais, direct superbe, avant. Ouais, Yegorov, ça devient... C'est compliqué. En, hein, c'est quand difficile. Vous en prenez de plus en plus comme ça, ouais, c'est mauvais signe. Absolument, ça devient compliqué. Pouh, attention. Et on entend Abadil Alab dire il est cuit. En parlant de Yegorov, c'est peut-être pas impossible. Là. Dans cette cinquième reprise, ça devient compliqué. Il s'en prend beaucoup. Il faut quand même penser également à la santé du boxeur. Et évidemment. Et regardez là, le visage est tuméfié, le saignement qui devient de plus en plus important. Ouais. Il prend la droite, là, une nouvelle fois. Il est un petit peu coincé, Yegorov. Il prend le crochet du gauche. Vous savez je le dis souvent, mais quand on voit qu'il y a un combat à sens unique, enfin, je ne vois pas l'intérêt de laisser son boxeur continuer. Quand le combat est à sens unique, les coups, ce n'est pas de la nourriture. D'espérer, de croire qu'un coup peut arriver, effectivement, c'est la boxe, tout peut arriver. Mais voilà, quand un combat est à sens unique, le mieux, c'est d'arrêter, très sincèrement. Là, pour le coup, on n'en est pas loin quand même. Là. Malgré que Yegorov est un boxeur très courageux, un boxeur dur au mal, il se prend quand même beaucoup de coups. Il s'en prend beaucoup, on est d'accord. Peut-être va-t-il retrouver un second souffle dans les prochaines secondes. On le lui souhaite.
Parce que c'est vrai que ça a été compliqué dans cette cinquième reprise pour le boxeur ukrainien. Ça n'a vraiment pas été évident, absolument. Allez, la sixième reprise, il y en a 8, hein, on vous le rappelle. C'est pas un combat en 10 rounds ou en 12, c'est en 8, puisque c'est un combat de reprise, hein, quelque part. Donc 8 reprises, encore 3 rounds pour Elie Konki, pour continuer à asseoir sa domination. C'est bien ce que fait Elie. Il y a de la lucidité, de l'intelligence. Ouais, encore magnifique ce petit bras arrière qui vient d'arriver. Un excellent bras avant, hein, vraiment. Qui fait mal. Il fait vraiment mal avec son bras avant aujourd'hui, Elie Konki. Du relâchement, de l'élégance dans la boxe du Français. Oui, superbe l'uppercut du bras arrière qui vient d'arriver encore une fois. Oui, superbe ce direct du bras avant encore. C'est bien ce qu'est en train d'effectuer Elie. Travail au corps. Remontée à la face, encore belle accélération. Il est en train de nous régaler dans cette sixième reprise, Elie. Ouais, et de décœurer totalement Igorov. Vraiment pour le coup. Il est plus frustre, Igorov. Hein. Ça, c'est une certitude, beaucoup moins technique, beaucoup moins élégant. Ouais, et surtout, il ne trouve pas la clé, c'est difficile, ouais. Il est pris de vitesse. Ouais, il a une boxe très élégante, une belle attitude. Allez, ouais, regardez, il se précipite pas là. Magnifique ce bon enchaînement là. Allez, il faut continuer à prendre le temps, Elie. Et il esquive absolument tous les coups d'Yegorov qui est de plus en plus prévisible dans sa boxe. Ouais. Tentative du cross du bras arrière. Attention. Ouais. Oui, superbe encore ce travail au corps. La tentative du percut, là, il accélère, Elie Konki. Ouais, il est vraiment très dur au mal, là, ouais. Igorov. Pour le coup, il encaisse bien. Hein. Ouais, il encaisse très très bien. C'est stupéfiant, ouais, c'est vrai. Il est dur au mal. Ouais, fin de cette sixième reprise, domination toujours très claire en faveur d'Elie Konki, qui a été pesé à 55,1 kg hier lors de la traditionnelle pesée et 55,8 kg pour Alexandre Yegorov, qui est plus rablé quoi, comme boxeur. Il est plus élancé, Elie Konki. Ouais, il fait 1m66 Yegorov et Elie 1m70. Mais limité le boxeur ukrainien. Beaucoup trop limité techniquement, malheureusement. Ah, j'ai l'impression que dans le coin, ils réfléchissent. Ouais, c'est peut-être mieux. Hein. Je crois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas repartir, Yegorov. C'est compliqué. Ouais, il y retourne. Courageux en plus de... Oh non, il y retourne. Septième reprise. Elie qui doit poursuivre son excellent travail. Ouais, superbe.
Un petit direct du bras avant de Hélier. Ouais, ouais, super, bonne droite, super. Bras arrière. Coup très net, très lisible à l'instant du boxeur français. Ouais, encore un petit direct du bras avant. Ouais, ça part un petit peu de loin, le l'uppercut du bras arrière. Ouais, super. Il faut des, ouais. Bras avant, il fait un travail admirable, hein, encore une fois, dans cette septième reprise. Une véritable démonstration hein, qu'est en train d'effectuer Eli Gorov, il est vraiment impuissant avec cet uppercut là qui est passé encore une fois. Ouais, ça devient difficile. Hein. Ouais. C'est à sens unique. C'est à sens unique vraiment, avec Eli qui accélère encore. La droite. Allez, il faut continuer, Eli. Ah, ça devient dur. Ça devient très, très dur pour Yegorov. Très, très difficile. Pouf. C'est pas le même niveau, hein, il faut le dire honnêtement. Non, après, bien sûr, on l'a dit, Eli, il a gagné un titre WBA. Non, et on le voit bien. On le voit bien. Après, voilà, il faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est un combat de reprise pour Eli, ouais. Se remettre en jambes, de tester de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Il le fait parfaitement bien. Après, l'objectif, c'est pas se prendre deux coups, c'est faire ce qu'il faut. On a vu un Yegorov qui est très dur au mal. Ouais, là, qui est limité malheureusement techniquement. Ouais, il ne sait plus trop quoi, comment s'y prendre, Yegorov, là, pour éviter les coups d'Eli Konki. Fin de la cinquième de la reprise. Septième reprise, oui. Bien vu. Zakaria, effectivement, fin de la septième reprise. Et Eli est voilà, tranquille. Il va se diriger. Pour le moment. Sauf KO de l'autre côté, mais on s'y attend assez peu. Il va se diriger vers une nouvelle victoire chez les professionnels. Ce sera sa onzième. Il est invaincu aussi, hein, comme Chris et Savé. Absolument, c'est bien ce que fait Eli. Vous savez, effectivement, ce n'est pas une très grosse adversité. Mais c'est important, ça permet à Eli de travailler certaines choses. Ça lui permet de revenir après 6 mois d'absence, donc forcément, ça permet de revenir aussi. Et donc voilà, maintenant ce combat lui permet de reprendre ses marques, de tester des choses. Il a l'air serein dans son coin. Eli Konki. Avant cette dernière reprise contre Yegorov. Et après, on vous le rappelle, hein, c'est Rima Ayadi contre Passam Alagic. Soyez avec nous sur Sportmac TV qui vous propose cette magnifique réunion de boxe au Mureau depuis plus de 3 heures désormais. Et encore super ce direct du bras avant de Eli. Voilà. Les bras avant qui passent parfaitement bien. Oui, super bon travail encore. Excellent phase, travail, belle accélération. Exactement. Superbe. La bonne variété dans les zones de frappe. Encore, attention, elle a touché. Elle a touché encore une fois, encore, oui, magnifique. Encore, superbe. Ouais, beau travail du percut au corps. Allez, il faut continuer, Eli, il faut accélérer un petit peu. Il reste 1 minute 30 dans cette dernière reprise. Magnifique ce bras arrière qui vient d'arriver.
Superbe encore, crochet bras avant. Ouais. L'accélération allez, là, allez, pourquoi pas. Pour sauf un KO là pour Ellie, ce serait le deuxième en carrière. Il y a une belle accélération en tout cas du boxeur allez, français. Accéléré. Dernière minute de ce combat. Yegorov qui voit ses coups directement dans la garde. Ouais, il est vraiment très dur au mal, hein, Yegorov. Très, très dur au mal. Ouais. Ah, il cherche à accrocher. Allez, il reste 40 secondes. Attention, ouais, Yegorov là qui tente le tout pour le tout, mais c'est assez déstructuré. Et bien lu par Ellie Conquis. Ouais, c'est pertinemment qu'il n'a pas eu le combat. Maintenant, ce qu'il veut, c'est certainement pas le perdre avant la limite. Il ne veut pas tomber. Ah, il y a peu de choses désormais qu'il tombe là. Yegorov, 10 secondes. Dans ce combat, Ellie va s'imposer. Ouais, beau moyen de défense. La main. Avec une encore beau bras arrière, belle super. Qualité défensive ouais, et ce bras avant qui aura fait énormément de dégâts hein. Énormément de dégâts avec ce bras avant d'Eli Conquis qui va s'imposer. C'est un combat pour le maintenir en activité. C'est un là, beau c'est combat, un combat dans lequel combat. Il a brillé ouais. Il a testé de belles choses. Après il avait face à lui un adversaire très dur au mal. Ça n'a pas été simple. Il n'a pas l'air satisfait mais il peut l'être. Il a fait une très belle prestation, un très beau combat. Vous êtes plus satisfait qu'il n'a l'air de l'être. J'ai l'impression, parce qu'il aurait voulu, il aurait voulu, et je peux le comprendre, le finir avant la limite. Mais ouais. Il avait face à lui un boxeur qui était dur au mal, qui, on l'a vu, hein, qui a été touché plusieurs fois et qui n'est pas tombé, qui est resté solide. Donc non, il n'a pas été déçu, il a fait le combat qu'il fallait. Techniquement, c'était très propre, belle attitude. On va l'écouter. C'est vrai qu'il n'a pas... Il a pas, bah vous l'apercevez d'ailleurs, il n'a pas l'air extrêmement satisfait de sa prestation. Je connais Elise, vous savez, c'est. Mais c'est bien, c'est bon signe. Bien sûr, bien c'est sûr. Bon c'est un boxeur qui est très exigeant avec lui-même et forcément, il aurait voulu le finir avant la limite. Vous savez, il est revenu. Ça n'a pas été simple. Hein, il a eu une grave blessure à l'épaule. Ça a été compliqué. Ouais. Il s'est fait opérer plusieurs fois. Là, il est revenu et donc là, il est bien. Il est en train de revenir progressivement. Et forcément, je comprends qu'il avait envie de clôturer ce combat avant la limite. Mais je le dis, je le répète, il avait face à lui un adversaire très dur au mal, qui a pris des coups, il l'a ébranlé 2-3 fois. Et malheureusement, il n'a pas réussi à le finir parce qu'il avait un adversaire qui encaissait bien, c'est clair. Allez, la décision dans quelques instants. Et après, le main event de la soirée, le combat entre Rima Ayadi et Passa Malagic. Boxeur au centre, s'il vous plaît. Décision. Pour Monsieur Boutrel, 80-72. Pour Monsieur Butel. 80-72. Pour M. Reich, 80-72. Ellie ! Comme on pouvait s'y attendre, la victoire sur décision unanime d'Ellie Conquis. Hein, 3 fois 80-72 pour l'ancien champion de France des poids coqs à 4 reprises, comme on le rappelait. Ellie Conquis, c'est une 11e victoire hein, pour le c'est bien, c'est, le boxeur c'est bien tricolore. Pour Ellie, ouais. C'était un beau combat de rentrée. 11-0, il reste invaincu, Ellie Conquis. Et on espère le revoir vite, effectivement, avec pourquoi pas la défense de son titre international WBA. Ça nous fait saliver d'avance, parce que c'est un boxeur avec d'immenses qualités. Ellie Conquis. Et on félicite aussi Yegorov. Techniquement, ouais. On félicite également, vous avez raison, Yegorov qui a été un boxeur dur au mal, qui a montré de la dureté et
et du courage surtout durant le combat, donc c'est très bien. On va écouter dans quelques petites secondes la première réaction d'Eli Conquis. C'est vrai qu'on l'a senti, son visage laissait transparaître une certaine déception. On va voir si c'est confirmé dans les mots au micro de Warren Essabé dans quelques petites secondes. Et après, Rima Ayadi contre Passa Malagic. Voilà pour le sixième et dernier combat de la soirée avec Malagic contre Rima Ayadi. Avant cela, avant de l'écouter d'ailleurs, Eli Conquis, on vous propose de revisionner les meilleurs. Oui, Warren, il va arriver. Warren, évidemment, si vous nous entendez, vous intervenez quand vous le souhaitez, vous prenez la direction des opérations dans cette soirée. Eli Conquis qui arrive. Voilà, pour raconter à nos téléspectateurs, on suit un petit peu le chemin de nos sportifs qui se dirigent vers Warren Essabé. Warren, c'est à vous. Non, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Warren, Guillaume Zakaria, c'est à vous. Oui. On est connecté ? Absolument. On est connecté. Donc, j'ai la chance d'être accompagné d'une personne spéciale, olympien de Rio 2016. Il est conquis. C'est 4 fois champion de France, champion de l'Union Européenne et pour finir, champion intercontinental WBA. Il est conquis, c'est un plaisir de vous avoir. Encore un mot. La classe. Première question, vos ressentis par rapport au combat, on vous écoute. J'ai senti que j'avais un manque d'assises. J'étais pas assez assis sur mes appuis. Bon, après, je sors de 6 mois sans boxer. Avec à la suite, j'ai été contaminé par le Covid. Donc sur la préparation, ça a fait ça m'a mis un gros stop d'à peu près 3 semaines. Ça s'est ressenti puisque avant de tomber malade, j'étais vraiment bien sur mes appuis, j'étais vraiment opérationnel. Bon, cette coupure a fait que aujourd'hui, j'étais pas à 100%. Mais voilà, on garde une bonne expérience parce que c'est un adversaire qui a voulu tenir du début à la fin. J'ai essayé d'appuyer et quand j'ai vu qu'il n'allait pas tomber, bah, je me suis dit allez, travaille, fais quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc rentrer dedans et voilà, j'ai essayé de travailler sur quelque chose de différent. Parce qu'on me connaît en tant que boxeur en contre-attaque, un technicien. Donc là j'ai vraiment essayé d'être un peu plus offensif. Et voilà, c'est le travail que j'ai donné aujourd'hui. Une victoire avant les limites, ça aurait été parfait. Mais bon. Comme on dit, on ne peut pas tout avoir et y a que le travail qui va faire qu'on va arriver au bout. Donc on va continuer de travailler, on sait ce qu'on a à travailler et on va retourner à la salle. Il est conquis aussi, comme je disais, la classe. On a remarqué pendant ce combat, vous avez beaucoup travaillé au corps. C'était la strat ou bien c'était une envie de changer de boxe, changer de tactique? On vous écoute. Alors ouais, c'est vrai que je suis un boxeur qui travaille beaucoup à la face, en contre-attaque. Donc, Cette façon de travailler en bas, en haut, c'est beaucoup plus une façon offensive de travailler. Donc voilà, j'ai essayé d'apporter un peu de variété dans ma boxe. Et voilà, je pense que j'ai assez bien travaillé à ce niveau-là. Après voilà, c'est là où j'ai pêché vraiment, c'est sur le manque d'assises. Après, Warren, c'est ce qu'on a à travailler et on va y retourner, on va faire ça bien. Warren, tu peux dire à... Oui, tu peux dire à Eli très clairement qu'effectivement, on sait que c'est un boxeur qui est très dur avec lui-même, mais il a fait une très belle prestation face à un boxeur qui était très dur au mal. On l'a vu, hein, Yegorov ne voulait pas tomber alors qu'il a été ébranlé 2-3 fois. Et c'est vrai qu'on a vu également quelque chose de nouveau chez Eli, c'est ce travail défensif et surtout cette dureté qu'il a essayé d'apporter durant le combat. Donc ça laisse présager de très bonnes choses pour la suite. Ok. Message de Zakaria. Tout d'abord, je te félicite. Merci. Je t'ai dit, on sait que tu es un boxeur qui est très dur avec toi. Ton adversaire était un duroman. En tout cas, tu as très bien boxé. Il est très fier de toi. Et il faut continuer comme ça. Il ne faut pas lâcher. Et bien sûr, tout ça, on a vu que tu as voulu changer ton style de boxe. Et ça a payé et t'encourage de continuer. Ah, merci, ça fait plaisir. Surtout venant d'un grand boxeur comme Zakaria Atou qui a été champion d'Europe. Qui a participé à une demi-finale mondiale.
Donc voilà, quand une personne comme ça me félicite, voilà, ça peut que m'encourager à être meilleur. Donc je le serai et j'essaierai un maximum de lui faire honneur et être meilleur la prochaine fois. Je tiens à rendre un hommage au jeune Sofiane qu'on vient de perdre. Un jeune boxeur très talentueux. Moi, j'avais vu quelques images de lui. Voilà, c'est dur de perdre un jeune aussi talentueux. On a malheureusement, nous aussi, perdu un jeune. Donc, je comprends la douleur de ses proches, de ses entraîneurs et surtout de sa famille, de ses parents. Et voilà, je tiens à dire qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un jeune qui avait vraiment de l'avenir dans la boxe. Et voilà, je rends hommage à ce jeune et à tous ses proches. En tout cas, merci beaucoup, Eddy Conky. Bon courage. Ah, petite dernière question. Vos perspectives? Bah, mes perspectives, déjà, on va travailler sur les lacunes que je peux avoir. Ensuite, espérer défendre mon titre WBA intercontinental et pourquoi pas par la suite faire un championnat d'Europe. Voilà, je sais que le champion d'Europe français a été destitué, mais je pense que moi, j'ai la capacité de battre le nouveau champion d'Europe qui est Lee McGregor, un boxeur qui ne m'impressionne pas du tout. Voilà, aujourd'hui, je commence à être un aguerri. Le jeune McGregor, c'est encore un petit poussin. Donc, j'attends d'avoir ma chance pour l'Europe. Que ce soit en Angleterre, que ce soit où il veut, quand il veut, moi, je serai prêt ce jour-là, en tout cas. J'ai cet objectif en tête. Mon réel objectif, c'est de devenir champion d'Europe et de battre Lee McGregor et venger Karim Kerfi. Et une petite chose, un petit mot pour vos futurs adversaires? Ça va être chaud pour vous, les gars. En tout cas, soyez prêts, Eddy Conky, à parler. Merci beaucoup, Eddy Conky. Merci.